de la manière la plus tranquille qui soit. C'est désormais, pour les violences urbaines, comme pour la délinquance générale, la tolérance zéro. Un SDF handicapé a été condamné à 2 mois de prison ferme. Depuis des années, il prenait les transports en commun à Lyon sans payer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous redescendez! Vous redescendez! 4 jeunes sont appréhendés. Les informations étaient erronées. Il n'y a aucun dépôt de plainte contre eux. Ils seront tous relâchés. À l'heure où les enfants sortent de l'école et de manière inexplicable, le policier va paniquer. Tu la fermes ta gueule. C'est pas les Macs ici, vous. C'est pas vous les Macs, les gars. Donc vous foutez ça dans la tête. Les Macs, c'est nous. Moi, j'agis. Ce qui est la seule chose qui m'intéresse, c'est d'éradiquer la délinquance. De leur porter à cette délinquance les coups les plus fous, les plus forts. Puis le reste, vous savez. J'ajoute que depuis 19 mois, il n'y a pas eu une seule battue. Mercredi dernier, le démenti tombe et les chiffres sont durs pour Sarkozy. L'an dernier, la police des polices a été saisie de 9% de cas de dérapage en plus qu'en 2002. Augmentation également de 9% des violences policières enregistrées et plus 22% de sanctions contre les policiers. Les incidents signalés à la commission chargée de la déontologie sont en forte hausse, plus 38% l'an passé. La discrimination ou le racisme serait en cause dans un cas sur 3. C'est une honte. Les policiers qui tirent, qui assassinent légalement, tout le monde est relâché. Bah franchement, je peux plus croire en cette justice. C'est un projet de loi qui va garantir la sécurité des Français, et d'abord celle des plus modestes parmi eux. Mais qui s'inquiète de la sécurité de vous ou de la sécurité des bourgeois des avenues riches de Paris? C'est nous qui disons ça. C'est ta gueule. C'est ta gueule. C'est désolé. Désolé d'avoir parlé avec vous. Vous me parlez mal, je vais pas parler, monsieur. Ça fait 2 mois qu'on se casse les queues pour se faire entendre et la seule réponse est de se faire tabasser, quoi. Il y a des trafiquants, des trafics et des trafiquants. Et face à des bandes organisées. L'ordre des bandes. Violeurs, des voyous. Pour débarrasser la France des voyous. Non, c'est un voyou. Les jeunes et les voyous. Des voyous et des violents. Aux délinquants et aux voyous. Il faut que nous allions jusqu'au bout des choses. Je vous dis une chose très simple. Ceux qui ne respecteront pas la loi, on les tapera dur. Et c'est bien pour ça que la police est là. Je vous le dis très simplement. C'est désormais la tolérance zéro. En décidant d'aller se promener en cortège officiel sur la dalle d'Argenteuil après 23 heures, Nicolas Sarkozy se doutait bien de ce qui allait se produire. C'est une honte. Les premiers projectiles fusent avec les insultes. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000. Nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Dire cela, ça ne peut être le fait que d'un déséquilibré. Moi, je le prends pour moi, je m'attends. Moi, je vais d'une banlieue. On va nettoyer quoi? On n'est pas dans la rue ici. Compte tenu d'un certain nombre d'individus que nous avons eu en face de nous et de leur pédigré judiciaire, le mot racaille est sans doute un peu faible. Nous nous sommes retrouvés face à des bandes organisées. Le mouvement n'était ni organisé ni manipulé par qui que ce soit. Qui se trompe? Ce n'est pas exact. Pas de caïd à la tête des bandes, pas d'islamistes. Écoutez, il semble que l'expérience prouve que ceux qui mentent beaucoup réussissent très bien. J'ai considéré que l'idée de mettre des caméras vidéosurveillance n'était pas une bonne idée. Je ne vois pas où quoi et qui peut penser que mettre des vidéos à certains endroits, ça soit un élément d'une société dictatoriale. Les difficultés que traverse notre société ne seront pas résolues par des mesures mal adaptées de l'étranger,
ou inspirés de régimes sécuritaires. Qualifié de populiste par la gauche et une partie de la droite, Nicolas Sarkozy provoque non seulement l'ire des magistrats, mais pose aussi problème au reste de l'exécutif. Le ministre de l'Intérieur l'affirme, il ne serait pas anormal qu'un étranger en situation régulière, qui travaille, paye des impôts et réside depuis au moins 10 ans en France, puisse voter aux élections municipales. Je suis contre le droit de vote des immigrés. C'est le double discours. Celui qui, pour la première fois depuis des années, a réussi à faire baisser la délinquance. Elle a reculé la délinquance en 2002, en 2003 et en 2004. C'est l'indicateur de la violence qui est l'élément important. Or, cet indicateur-là, sous Sarko ou sous qui que ce soit d'autre, a continué imperturbablement à monter de 1994 à cette année. Et à force de montrer du bleu partout, Nicolas Sarkozy va séduire l'extrême droite. Une affiche d'ACT-UP qui fait scandale, elle a été placardée en région parisienne et elle représente le ministre de l'Intérieur. Moi je ne suis pas entouré d'un halo de suspicion, d'antisémitisme ou de racisme. Une étude affirme même qu'il est très populaire dans l'électorat du Front National. C'est une accusation assez grave. Non, c'est pas une accusation, c'est un fait. La peur, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Les gens qui ont peur, on leur fait faire ce qu'on veut. Vous dites que la menace est élevée, sur un curseur de 1 à 5, elle serait où cette menace? À 4? À plus à 4, 4, 3. Et comment fait-on peur aux gens? En instaurant un climat, un climat de menace perpétuelle. Parce que c'est la peur qui crée les conditions du racisme. Friend journalist, call me Sarkozy the American. Derrière la télé est allumée et il y a la convention républicaine de Bush à New York. Et là, Nicolas se lève et dit « Je veux ça pour le Bourget ». Sarkozy et sa famille en ont longtemps fait un peu beaucoup. Vous voulez parler de la rumeur? Mais interrogez-moi alors, faites votre joli métier. Voilà. Allez jusqu'au bout. Quelle est la réponse que vous voulez que je vous apporte? Je ne sais pas quelle est la vérité. Cécilia Sarkozy, entre le cœur et la raison, c'est son titre, devait arriver dans les tout prochains jours en librairie. Le ministre de l'Intérieur aurait exigé de l'éditeur que le livre ne soit pas publié. Mais il y a une deuxième ambiguïté. Problème, était-ce alors le ministre de l'Intérieur qui parlait ou le mari de Cécilia Sarkozy? Moi j'ai une vision positive de la laïcité, j'ai pas une vision négative. Et Saint-Esprit descende sur ce bateau et son équipage. Amen. Un signe religieux qu'un ministre d'État devait se dispenser de faire. La jurisprudence du Conseil d'État est précise. Pas de signe ostentatoire. Aujourd'hui, c'est la note du ministre de l'Intérieur à tous les préfets, les invitant à participer dans leur région aux messes à la mémoire de Jean-Paul II. C'est ostentatoire. C'est quand même pas un crime contre la République. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme ou une femme qui croit? C'est un homme ou une femme qui essaie d'espérer. Alors qu'est-ce qu'un homme ou une femme qui croit? C'est un homme ou une femme qui espère. Parce qu'après 5 années du gouvernement de M. Jospin, on était arrivé à faire croire aux États-Unis d'Amérique que la France était un pays antisémite. Dire cela, ça ne peut être le fait que d'un déséquilibré. Si cette vérité gêne certains, eh bien qu'ils s'attendent à être gênés encore bien souvent. Parce que j'ai l'intention de mettre un peu d'authenticité dans le débat politique français. Ah, cassez-vous si vous n'êtes pas content. Je ne suis pas là pour plaisanter, moi. Le ministre de l'Intérieur est pris à partie par plusieurs dizaines de jeunes qui commencent à le huer. Deuxième chose, quand tant de gens suspectent votre discours, c'est pas le monde entier qui a tort, c'est peut-être vous qui devez faire votre introspection. Je suis convaincu de la pertinence de certaines convictions. Eh bien, je vais aller jusqu'au bout. Que cela plaise ou que cela déplaise. Il ne faut pas douter de ma capacité à avoir une énergie indomptable. C'est le message, j'espère que chacun l'aura compris. Alors ça, c'est de bonne qualité, vous voyez, une très bonne prise en gueule. C'est présent dans la manchette, ça n'a peur de rien, c'est stable, c'est propre.